soit un groupe touché ou qui vous arrivez facilement à aller de l'avant cette semaine? Ouais, j'ai senti quand même un groupe touché après le match, un peu en début de semaine, mais on est complètement passé à autre chose. On est obligé, avec des matchs qui arrivent rapidement derrière, on est obligé de passer vite à autre chose, même si forcément les mecs étaient quand même bien abattus. C'est une défaite quand même très, très frustrante. Envie aussi d'amener maintenant sa pierre à l'édifice. À l'édifice, ça fait 2 semaines que tu es là, que tu travailles, que tu t'entraînes. Il te tarde quand même d'être sur une feuille de match et de jouer. Ouais, bien sûr, je viens ici quand même pour me montrer, pour jouer. Donc quand on joue pas, c'est forcément un peu compliqué et on a envie de participer à ça. Je suis en char aussi, j'ai envie d'apporter quelque chose à cette équipe de France. Donc ouais, forcément, il me tarde d'avoir ma chance, de pouvoir montrer de quoi je suis capable avec l'équipe de France. Ouais. Le temps paraît long du coup sans match quand Comment? le temps paraît long cette semaine-là. Bah, le temps paraît long, ouais, c'est différent. Après, le temps paraît long, je m'entraîne, je travaille avec les autres, je suis là aussi pour les mettre dans des bonnes conditions. Donc j'ai d'autres objectifs. Forcément, c'est moins sympa, mais c'est des objectifs quand même. Donc non, le temps paraît pas long. Je suis avec l'équipe de France, hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein, donc si je joue pas, c'est comme ça, mais ça viendra, j'espère. Quel regard tu portes sur l'Argentine encore? C'est une équipe qui nous connaît très bien, un peu imprévisible, capable de très gros matchs, comme parfois un peu de matchs plus faibles, mais on sait qu'en ce moment ils sont en forme et qu'ils sortent de belles performances. Donc ce sera encore une fois un match très compliqué. Voilà, un an de les affronter à la Coupe du Monde, voilà, ce sera un test important. C'est une équipe qui a beaucoup progressé, qui a brillé lors du Four Nations. Ouais, elle progresse sans arrêt. Elle commence à avoir des belles victoires contre de grosses équipes. Je pense que maintenant, ça fait partie aussi des grosses nations du rugby. Et voilà, il faut le savoir. Maintenant, l'Argentine est une grosse nation et fait partie des gros du rugby. Ouais. C'est le modèle un peu à suivre parce qu'au-delà du côté latin, que ce soit, l'Argentine, il y a 5, 6, 7 mois, personne n'en parlait dans les termes qu'on emploie aujourd'hui. Ils n'étaient vraiment pas au mieux. Leur renaissance aussi rapide, avec un changement de staff, avec d'autres choses, mais le fait qu'ils aient très vite redressé la barre, ça c'est peut-être une source d'inspiration pour vous. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est possible, voilà, on peut basculer vraiment, il suffit d'un match, quoi. Ouais, nous, on n'a même pas besoin des Argentins pour le savoir, ça. On sait, nous, qu'on est capable, bien sûr. On passe quand même vraiment pas loin ce week-end. Hein. Attention, à l'Afrique du Sud, c'est une très très grosse équipe et on est quand même à 2 doigts de les gagner. Donc nous, on le sait, ça, de toute façon, qu'il suffit d'une victoire, de quelque chose pour voilà, déclencher quelque chose entre nous. Voilà, c'est la confiance. On manque forcément un peu de confiance, mais rugbystiquement on est là. Enfin, pour moi, on est là. L'Afrique du Sud, ils battent la Nouvelle-Zélande il n'y a pas si longtemps. Et honnêtement, ce match, la fin de match, on l'a fait 10 fois. Je pense qu'on l'a gagné 8 fois. Donc, pour moi, c'est bon, on est au niveau, quoi. Voilà, maintenant, il faut gagner. Si on ne gagne pas, on n'a pas le droit de dire qu'on est au niveau. Mais rugbystiquement, je pense qu'on y est, quoi. On y est. Il manque pas grand-chose. Et puis il y a quand même beaucoup de choses encourageantes pour la suite, pour cette tournée, pour le tournoi à venir. Je crois qu'on a le temps. On est capable d'arriver en forme et avec de la confiance pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Merci. c'est bon.